Et bonjour à tous les amis, c'est Capi. On se retrouve pour la troisième partie de la campagne de Diablo 3 avec notre féticheur. On est parti pour la troisième quête. En parlant à Descartes. De son ancienne couronne. Allez trouver à Aedric, notre forgeron. Alors, le forgeron, où est-il? Il est là-bas. On va aller lui parler. Alors aussi, j'avais oublié de vous montrer quelque chose. C'est qu'on peut acheter des items, par exemple ici au marchand. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de bien. Non, il n'y a rien de terrible. Enfin, de mieux que ce que j'ai déjà. Et alors, il y a un autre truc, c'est que vous pouvez aussi changer la couleur de vos items. Je vais vite fait vous montrer ça. Le problème, c'est que je ne sais plus où c'est. Non, c'est pas là. Ah, c'est là-bas. Le receleur. On va aller vite fait vous montrer ça. Bah non. Bon, il n'a pas des trucs terribles. Les bijoux, je pourrais peut-être les prendre. Et on va mettre ça, voilà. Ça, on n'en a pas encore. Des épaulettes, est-ce qu'on en a déjà? Il n'y en a pas. Enfin, soit vous pouvez aussi réparer vos items. Donc là, on va parler au forgeron. Je vais t'aider à tuer ta femme. C'est quand même gore qu'on réfléchit. Mec, viens, on va tuer ta femme. Ok, on y va. Là, on va dans la cave. Donc cette quête-ci, je la connais très très bien. Voilà. On fait aller ça. Sa femme, elle est là en train de pleurer. Voilà, on a masse araignée. Regardez bien ça, on fait un zoom. Attention. Et hop là. La salopure. Et hop. Voilà. Bon, la quête est un peu rapide, donc du coup, on va en faire deux d'un coup. Comme ça, on se met d'accord. Parce qu'il y a vraiment que ça, hein. La quête est terminée. Hein. Donc. Mon grand-père. Et hop, quête terminée. Ah ben non, c'est bon, il y a la suite en plus. Ouais, non, j'ai rien dit. On va faire toute la couronne brisée. Alors, ouvrez la porte du nord. Elle est ici. Hop là. Ceci est une carte des environs. Oui, je connais quand même. Voilà, il y a un masse champ. Ça, c'est cool. Il y a un coffre. Allez, hop. On l'a tué avec les araignées. Attention à l'explosion. Alors, est-ce qu'on a droppé un truc mieux? Non. Regardez ça. Un pot. Et hop là, ils vont exploser. Il y a les anguilles qui arrivent et on les tue.
On va faire notre typique farm de tout ce qu'il y a dans la zone. Explosion. Et voilà, on passe niveau 9. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on a? On a moisson d'âme. Ça c'est bien. J'en ai pas besoin malheureusement. Mais tu m'entendras. Attends déjà un message. Devant l'école. Attendez. Hein. Voilà. Donc la moisson d'âme, donc on va lire ensemble ce que ça fait. Vous puisez de la force vitale un maximum de 5 ennemis présents dans la 16 mètres et gagnez 2% d'intelligence pour ennemi affecté. Donc en fait, vous les regroupez. Donc là on a eu épouvante que j'utiliserai pas. Et là on a eu. Ah, une rune, ça c'est bien. Ralentissement, on va le prendre. Et pour les araignées, on a eu araignée sauteuse. Alors qu'est-ce que c'est faire araignée? Vous lancez une jarre contenant les araignées. Attendez, j'ai pas regardé. Les araignées qui bondissent jusqu'à une distance de 25 mètres pour atteindre leur cible, dont l'attaque inflige un montant total de dégâts de poison égal à 646% des dégâts de votre arme. Donc c'est bien, on fait plus de dégâts. On a un nouveau sort, et dans un niveau, on pourra mettre une compétence passive. Tu y seras à quelle heure? Parce que je dois aller chercher mon petit frère à l'école, pour tout vous dire. Et je sais pas jusqu'où je dois aller chercher. Donc là, on fait la moisson d'âme. Et là, directement, les dégâts vont quand même augmenter. Vous allez voir, je pense que d'ici le prochain épisode, j'augmenterai la difficulté. Parce que c'est un peu trop simple, je vais dire. Il n'y a aucune difficulté, regardez, on met les trucs et moi, allez. Quoique. Hop là. Explosion. Et voilà. Hop là. On les tape. Non, en fait, j'ai rien dit. On perd pas de PV, mais les monstres commencent à être de plus en plus costauds. On va rester en expert. Sauf si jamais on drop genre une arme méga cheatée qui nous fait des dégâts de dingue, mais. Oula! Le dawa! Et voilà. On fait des dégâts en plus. C'est bien les araignées. Donc là, vous voyez, même les sorts ont un autre aspect grâce aux runes. En fait, c'est les monstres communs, on a vraiment super facile à les tuer. C'est les gros monstres que ça met un peu plus de temps. Ah, on a plus de dégâts. On va regarder un truc. Quand je fais ça, ouais, ça augmente les dégâts quand même. Hop là, une petite jarre, on va continuer d'explorer. On regarde où on n'a pas encore été. Une souche, un village à mort, de la thune. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mobs. Une souche. Donc là, on va aller au milieu de tout le monde. On va regarder les dégâts. Ouais, on gagne un peu de dégâts. Mais encore une fois, comme je vous dis, c'est les pourcentages. Donc, quand on sera plus haut niveau, bah du coup, on gagnera plus. Allez hop, allez hop, allez hop. Voilà, on les tue avec les araignées. Voilà. Alors ici, il y en a encore. On va bientôt être niveau 10. Vous voyez à la barre d'expérience ici en dessous pour ceux qui n'avaient pas encore vu. On a encore un bouquin.
Oups. Un gobelin. Hop là, vous voyez, il drop plein de trucs intéressants. Là, par exemple, une arme, malheureusement, je peux pas la mettre, mais si j'avais pu, elle était vraiment bien. Je ne peux pas. Allez, hop. Ouais, non, notre build pour le moment est vraiment pas mal avec nos araignées. On va faire une petite moisson d'âme et là on va envoyer le pâté. Et voilà. Donc le féticheur, c'est une classe qui a un élément, je vais dire, propre à elle, c'est le poison. Et des autres classes, c'est les dégâts sacrés. Les féticheurs, c'est le poison. Donc le poison, c'est un dégât qui va se faire sur la durée, donc pas instantanément. Mais il y a des items qui font en sorte que vos dégâts de poison se fassent instantanément. Et ça, c'est vraiment complètement cheaté. Voilà, on fait ça là. Allez hop, on fait les dégâts et on passe niveau 10, parfait. Il y a un élite, on peut se rapprocher, on n'a pas de problème avec ça. Et voilà, oh, elle a droppé un casque qui est mieux. Bon, il est moins sexy du coup. On va mettre notre passif là. Alors, chaque fois qu'un ennemi meurt dans les 20 mètres, il y a 15% de chance qu'un chien. Non. Tous les dégâts subis pour vous et vos familles sont réduits de 15%. On va mettre ça. Et quand ce sera possible, on mettra harmonie spirituelle. Comme ça, on pourra faire des hantises en boucle. Mais comme on n'a pas encore le sort, c'est pas utile. Voilà, ici c'est le Dawa. Mais comme on tape en zone, on peut y aller. Il n'y a aucun souci. Voilà. On prend les gold. Voilà. Oh, un mojo. Il y a un truc qui a explosé, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, voilà, voilà. On les tape encore. Ouais, ils sont pas mal, hein. Un bassin, nous on appelle ça de la pisse avec Bounty. Parce que c'est une réserve d'XP en plus. Pendant un certain temps, vous XP un peu plus. Nous on appelle ça de la pisse. Je sais pas pourquoi c'est Bounty qui a inventé ça. Le mojo ne fait rien en plus, ni rien en moins, donc on va pas le mettre. Voilà. On continue de les taper. Regardez ça, avec une auto-attaque, ça a pété les 4 mobs. Ah ben, on se rapproche. On n'aura pas exploré tout, mais bon là, faut qu'on avance quand même un minimum. On aura déjà fait pas mal d'exploration quand même. On va y aller. Ça s'ouvre devant nous. Et vous allez rire, mais je crois qu'on a déjà à peu près rattrapé l'endroit où on était avant que... Enfin, quand j'étais avec Bounty. Donc c'est super, en 3 parties, nickel, on aura rattrapé le... Alors là, il y a des cryptes, trouver l'hôtel chancelier. Non. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était dans celui-ci. Alors, l'hôtel des chanceliers sous le cimetière. Ah ouais, mais ça doit être ici. Pas. J'ai pas été voir là-bas. Ça se trouve, il y avait un coffre ou quoi. Non.
Il n'y avait rien. Allez hop, on les défonce. Allez hop. On les tape très très fort. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, on va mettre une araignée. On va voir les dégâts que ça fait. Elles explosent en plus. Elles tapent et puis elles explosent. C'est ça que c'est super fort en fait. Je me rendais pas compte. Alors, on met quelques araignées et puis on lâche tout. Et on laisse faire les bestioles. On en refait une ou deux, sinon ça va durer éternellement. Toujours rien trouvé de mieux. Eh, n'empêche, je trouve qu'on XP pas mal. Que ça monte bien, on est toujours à l'acte. D'ici, je dirais fin de l'acte 1, on devrait être niveau 20-25. Et il y a 5 actes. Donc pour ceux qui voulaient savoir, j'ai déjà l'extension Reaper of Souls. Parce que dans la première fois, dans la première entre saison de du féticheur, j'avais déjà acheté, mais il y a des gens qui m'avaient posté en message, est-ce que tu as déjà Reaper of Souls? Eh bien oui, je l'ai. Je l'ai acheté directement quand j'ai acheté le jeu. Il se barre en courant. Hop là. Dropper un item jaune. Voilà qui augmente les dégâts et qui a une teinture. Regardez là, l'item il est bleu. Alors que normalement il doit être rouge, jaune comme ça. Ben là il est bleu parce qu'il a une teinture dessus. Il est mis en dessous de teinture marine. Et alors ces trucs là vous pouvez les acheter au marchand. Et ben, comme ça vous pouvez faire en sorte que votre stuff ait tous la même couleur et que vous faites des trucs super stylés comme ça. Bon, bah c'est pas dans cette crypte-ci, il vient de le dire. Donc à mon avis, c'est pas question d'ordre, parce que je crois que l'autre fois, bah, c'était dans celle-là qu'elle était. Donc on va faire une autre. Ou alors c'est de l'autre côté complètement. Je crois que c'est pas dans les deux du fond, si je me rappelle bien. C'est pas ici. Bon, on va la faire. Tant pis, tant pis. Hop là. On va faire une petite moisson. On tape les petits et on finira par le gros. Et voilà, on passe niveau 11, parfait. Il y a pas mal de mobs ici. Et voilà. Ah, on a eu invasion de grenouilles. C'est aussi un très bon sort, mais qui est pas du tout axé dans le build qu'on est en train de faire. Parce que nous, on va jouer plutôt froid et poison et invoque dans un premier temps avec les chiens et tout ça. Voilà, il y a tout qui pète dans tous les sens. En tout cas, j'espère que vous appréciez série parce que moi ça me plaît vraiment bien le faire avec ce féticheur, c'est vraiment sympa. Et si je peux faire découvrir ce jeu qui est que d'autres que Diablo, qui est un jeu énorme, eh bien je serais content parce que voilà, je vous aurai appris un nouveau jeu et vous allez voir quand vous commencez à y jouer, c'est dur de s'arrêter. Et comparé à d'autres jeux, vous pouvez faire des pauses. Regardez, en fait là, hop. On met la pause. Quand on est en multijoueur, on sait pas bien sûr, parce que bon, on va pas faire attendre tout le monde que vous reveniez. Ce qui paraît logique, mais c'est vraiment un super jeu.
une petite moisson. Il y a des gold. Allez, on tape, on tape, on tape. Oh, il y a un poteau. Ah, cool, c'est des golds en plus. De l'expérience en plus. Ça explose, on les défonce. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc là, faut rusher un maximum tant qu'on a le bonus. Donc ça, c'est des élites aussi. Les élites bleues. Et il y a les élites jaunes qui sont un peu plus forts. Alors, on a droppé des items. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? Pas grand-chose de terrible. Ah, si. Bon, bah, elle est pas ici. Bien sûr, je parie, elle va être dans la troisième. Avec toute ma chance. And down. À mon avis, elle est ici. On va la faire en speed. Allez hop, on met les dégâts. Ça explose de partout. Il y a des élites. Oh, allez. Voilà, on les défonce sans respect aucun. Ah, lui il donne mieux. Là, regardez, là on a la classe, non? On a un masque en bois sur la gueule, magnifique. Alors dans un niveau, donc dans pas longtemps, on va avoir un de nos sorts qu'on va utiliser le plus. C'est-à-dire Antise. Mais qu'il sera encore plus fort au niveau 13. Quand on aura le passif ah voilà, on est niveau 12. On va finir ça et on va le prendre. Antise qui est ici. Et là vous allez voir, ça a commencé à être bien cheaté. Ah, on a eu les chiens enragés. Bah, ça fait des dégâts de poison, c'est cool. Regardez, on fait ça, pan 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 pan. Regardez ça, c'est complètement pété. Et alors, une fois que les esprits sont partis, c'est fini quoi. Ça rebondit sur tout le monde, ça fait masse dégâts. Là, je crois que niveau dégâts. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vous faites 2-3 pots d'araignée, puis vous faites un clic droit en tease, un pot d'araignée en tease, vous faites clic droit, clic gauche. Et normalement, quand on aura le passif, ben vous avez le mana presque infini, même si vous cliquez enfoncer sur en tease. Vous voyez? J'ai pas fait grand chose. Regardez Antis. J'ai fait un clic droit. Voilà, un deuxième. Tac, 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 tac. Et ça passe sur les autres. Et voilà, et ça rebondit, ainsi de suite. Enfin, c'est complètement cheaté. Ce sort est vraiment trop, trop bien. Il s'utilise pas beaucoup de mana et ça fait masse dégâts, ça rebondit sur tout le monde, enfin c'est parfait. Allez hop, on met des hantises un peu partout. Bon certes on n'a plus le ralentissement d'avant, mais hantise ce qui est bien aussi, ça va péter sur tous les murs et tout ça, ça va tout ouvrir. On a combien de dégâts? On a 72. Allez, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Et je suis même pas encore arrivé que les mobs ils sont déjà presque morts. Donc alors quand on couple les araignées avec anti, c'est monstrueux.
Donc autant, en fait, ce qu'il faut faire le combo, c'est vous mettez dans un truc, vous faites une ou deux hantises, et puis vous lancez des araignées. Et puis hop, après, ça tape tout seul, regardez, vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez partir, et c'est bon. On va faire quelques petites araignées, on va sortir du poison. Deux, trois hantises, des araignées, des hantises, des araignées, et hop là. Et voilà. Ouh, ça pète dans tous les sens. Ah, on a encore eu un casque qui faisait un peu plus de dégâts. Parfait. Alors, on va faire une hantise et on va voir ce que ça fait. Allez, ça rebondit, ça rebondit. Et voilà! Et ça va même chercher les autres! Et on n'a même pas de rune sur hantise. Parce que quand on aura une rune, on va mettre Esprit Malveillant qui est ici. Donc, ça invoque deux esprits à chaque utilisation. Donc, ça va faire encore plus de rebondissements que ce qu'on a maintenant. Donc, imaginez un petit peu le bordel. Regardez. Regardez ça, regardez ça! Regardez, j'ai toujours rien fait. Ça tape là, ça tape là-bas. Ah non, ça va pas fini. C'est un peu OP. Ah. Ah, la couronne n'est pas loin. On l'a entendu. Oula! On va faire des araignées, quelques-unes, puis des hantises, des araignées. Hop là. Je crois qu'on a eu. Ouais, on a eu un meilleur item. On a 85 de dégâts. Ça augmente encore. On a un poteau. Qui donne réduction. Attendez. Bénix sont reçus. 25% des coups de verre d'or et d'objets magiques. Ah, ça c'est bien. Techniquement dropper plus. Ah, c'est un peu OP quoi. Là, notre stuff est pas du tout opti. Regardez ça, les dégâts qu'on fait quoi. C'est même pas compliqué quoi. Allez hop. Gardez hantise. Gardez ça, gardez ça, gardez ça. Je fais plus rien. On va faire des araignées. Et hop là. Prendre la couronne du roi squelette et voilà. On a des meilleures bottes. Bon, les autres items, c'est bon. On a ceci. Utiliser. Ah, on a eu harmonie spirituelle. Donc alors voilà, votre mana maximum est augmenté 10%, vous régénérez. Et hop, on fait ça. Et alors là, c'est OP. Regardez les araignées. On garde. Moisson d'âme. Il y a sacrifice. On va pas l'utiliser. On va voir si on n'a pas eu zombie surprise. Non, c'est niveau 14. On prendra plus tard. Et les chiens enragés. On va laisser ça ainsi. Donc là, on va revenir à Nouvelle Tristam. On va aller parler. Donc là, je sais pas ce qu'il va foutre. Ça va, il est quand même content qu'on lui dise. Donc, on a terminé la quête. Donc, c'est super. On a droppé une truc ici en plus. On va décrafter tout ça. Voilà, on va mettre tout dans le coffre. Et on va se dire au revoir. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode, les amis. Il était un peu plus long que les autres, mais c'est pas grave, on a bien avancé. On est niveau 13 et on a terminé la troisième et la quatrième quête, je pense. Je crois qu'on est au quatrième, si je dis pas de bêtises. Moi, je vais commencer le premier rendu et j'essaierai de vous poster la vidéo le plus rapidement possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Ciao, ciao!